Salut à tous, c'est Raver et Artfrag pour une nouvelle vidéo sur Warrock. Donc Warrock, c'est un ancien jeu de 2004, d'après ce qu'on voit sur Wikipédia. Yes, et donc voilà, là on teste le mode zombie. Un mode où faut survivre à 20 vagues. Oh, c'est que ça. Et t'es sûr? Il y a plus de 20 vagues, oui. Ah, je sais plus. Ils en ont rajouté. Ah, ok. Ouais, parce qu'il faut savoir que Warrock, on y a déjà joué, c'est un des tout premiers FPS sur lesquels on jouait, parce que là c'est pas, c'est un mode zombie, mais à la base c'est un FPS. Et c'est pour ça, c'est notre petit coup de cœur, on voulait retourner un peu dessus. On avait quitté parce que le jeu était devenu envahi par les hackers, d'ailleurs je sais pas si c'est toujours le cas. Disons qu'on a beaucoup de soupçons quoi. Comme la communauté a vu beaucoup de hackers, maintenant il y a une grosse paranoïa. Dès qu'il y a un mec qui est un peu fort, ça y est. C'est clair. Donc graphiquement, on peut pas dire que c'est le jeu du siècle, hein. Ouais. Donc plus les vagues avancent, plus comment dire, les mobs sont difficiles à battre. Plus ils auront des attaques puissantes. Ils pourront nous os. Il faut qu'on fasse très attention. Il y a des amos qui vont spawner, il y a la vie qui va spawner. Et vous allez bien voir de toute façon. Enfin, on va essayer d'aller le plus loin possible, mais vous allez voir que ça se complique au bout d'un moment. Ça devient très très chaud. Là, entre en matière du deuxième zombie. Le zombie beige. Ce faut savoir là, franchement, c'est de la rigolade. Ça commence à se compliquer à partir de la vague 6, mais, on va dire. Mais laisse tomber. Il m'esquive. C'est surtout que là, on est que deux en fait. Oui, t'es et normalement. On peut aller vite. 5, il me semble. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment pris une classe de perso assez bourrin quoi. Sur moi, j'ai deux lance-roquettes et une sulfateuse avec un petit Glock. Bon, donc il y a quoi faire quoi. J'ai trois armes avec. Hop, trois. Bon, moi c'est Epic Peur et lui c'est Assaut. Donc voilà, la troisième vague, il y a des mecs qui arrivent avec des clés aux manettes, il me semble. Ouais. Donc moi je suis là avec CM8, donc c'est pas super opti pour un mode comme ça parce qu'il n'y a pas énormément de balles. Ah, merde. Mais c'est pour ça d'ailleurs que des fois il y a des... quand tu tues des zombies, il y a des amos qui spawnent. Des petites Z comme ça. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Die motherfucker. Énorme. Voilà. Faut savoir aussi que... Putain. Tu me coupes la parole avec ça. Attends, il y a des zombies. Tiens, t'as une amo en bas là. Enfin, t'as une vie. Ouais, vas-y, je vais la chercher. Hop, et là, il y a la recharge. On avait précisé là, cet endroit là, c'est pour les se recharger en munitions. Il y a la même pour la vie. Mais bon, c'est assez compliqué parce que les vagues reviennent assez rapidement et ça met assez de temps pour recharger. Donc là, ça va, il n'y a pas trop de mobs au début. Et puis d'ailleurs on avait même pas terminé la vague, j'avais même pas calculé. Si moi j'ai calculé, c'est pour ça en fait, c'est un avantage de laisser un monstre en vie, et comme ça on a le temps d'aller recharger. Et voilà, tout simplement. Ah ouais, c'est pas bête, j'avais zappé. Bah, ça nous laisse plus de temps. C'est clair. Il y a des petites sulfateuses, des petites mitraillettes en bas sur un pied. Mais bon, généralement on les utilise pas parce que c'est vite fait de se faire... derrière. Ouais, voilà, c'est vite fait de se faire tuer quand tu es là. Donc il y a une technique, on va vous la montrer. J'allais dire au même moment. Bah voilà. Boum. On s'est exercé un petit peu hier soir et franchement on n'est pas arrivé bien loin. On a retéléchargé le jeu pas plus tard qu'hier soir. C'est ça.
histoire de pas faire non plus trop de la merde pour vous le présenter, hein, c'est un peu entraîné. Faut savoir que moi j'ai bien level 33 dessus, j'y jouais à l'époque, ça fait ça doit faire au moins 2 ans que j'ai arrêté. Et moi, donc, j'ai pas dépassé le niveau 15. C'est déjà pas mal. Ouais mais bon, sans l'FPS, les grades à avoir c'est vachement long. Hein. C'est clair. Donc là à partir de la vague 6, un nouvel ennemi va rentrer en compte. C'est-à-dire un gros mec avec une poutre. On attend tout simplement. Mais il est taré lui. Qui nous poutre en général. Ah vague 5, on a le deuxième mec avec la clé à molette. Hop. Oh non. Lui il y en a des verts là. Alors ceux-là, ils peuvent nous OS. Là, oh même putain rouges, hein. Ah putain, t'as vu tous les verts qui se posent de mon côté là. Lui il meurt pas lui. Mais il a pas envie. Ah oh, putain, mais il meurt jamais. Là, plein de verts de mon côté. T'es mort. Oh putain. T'es mort. Saute. Bon bah. J'ai essayé. De ne pas mourir. Vous pouvez voir déjà rien qu'à la vague 5 il a réussi à mourir. Donc c'est vraiment pas si facile que ça. Ils se cachent les uns et les autres. Donc je vais faire mon mieux pour essayer à terminer cette vague. Merde. Voilà. Regarde pas derrière toi, t'inquiète. Et là, boum, génocide. Et là, normalement ils vont pop là. Non, il en reste plus qu'un là, je crois. Enfin, il reste les deux en bas là. Et bah voilà. GG. Non, ça bah merci. Ça commence super bien. Ouais, petit coup de frayeur là. J'essaie de pas faire comme toi hier. J'ai fait quoi hier? Tu veux que je le dise pendant la vidéo, t'es sûr? Non, ouais, vas-y. J'étais mort 3-4 fois, je crois. Avant la vague 10. Bah ouais. Mais toi aussi, hein. Non, ça m'est arrivé 2 fois, t'sais. Bah allez, non, mais hier, je voulais pas sérieux. Saute. Ah oui, oui. Oui, donc voilà, la technique. C'est quand on est débordé, c'est de faire le tour, donc là, ils vont nous suivre. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de les regrouper. Bah, ils pour vont les tout seul. Ouais, non, justement, c'est à nous de les regrouper. Si on avance trop vite, ils vont pas se regrouper. Hein. Donc voilà, et une fois qu'ils sont regroupés, eh ben, on peut les anéantir plus facilement. Quoi. C'est même pas les tuer, c'est les anéantir. Ah non, bah oui, carrément. Quand ils vont au lance-roquette, c'est pas tu ne tues pas, tu. Voilà, là, on va leur envoyer une petite roquette, bam, bam, in the face. Derrière. Oh putain, je saute. Oh, non, vraiment, il commence à être nombreux, quoi. Et ça c'est rien quoi, c'est la vague 6. Hop. Ouais, il doit y avoir 25 vagues. Ouais, je sais qu'à l'époque où on avait découvert ce mode là, il y en avait 20. Disons qu'à la vague 10, à la vague 15, à la vague ainsi de suite, comme ça toutes les 5. Et après ça se rapproche, t'as comment il s'appelle lui? Un gros balèze là. Je sais plus de son nom. Et à 24 ou 25, t'en as un bleu, un sumo. Lui il est violent. Par contre là, ouais, là il y a les... Il y a les meufs qui vous explosent dans la gueule. Les kamikas. Un gros qui arrive, là fais gaffe. Regarde derrière moi, cover derrière. Saute. Putain, tu me dis regarde derrière, j'étais en train de recharger.
Ah, nickel. Franchement, c'est moi qui devrais surveiller l'escalier avec une surfateuse. Oh, il voulait pas crever lui. Donc là, ça devient. Oh putain, ça! Ça devient hardcore. Ah, c'est tellement que vous avez un petit aperçu. Ça commence à rigoler. Oh là 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 là. Là ça va, on gère Oh oui. Et avec du 8 bientôt là. Oh là là. C'était quand même hein. Enfin, on est déjà arrivé beaucoup plus loin que ça tous les deux. Avant oui, on est déjà arrivé au moins jusqu'à la vague 16 je pense. J'ai même 55. Au moins la vague ou 16 ou 17 je pense. Va l'escalier, va l'escalier, va l'escalier, va l'escalier. Allez, saute, saute, ça arrive. On est trop confiné dans ça. Salope. Oh putain, qu'est-ce qu'ils font là? Ah, fais gaffe, fais gaffe. Oh la vache. Ils tombent de partout. Hardcore. Ah là 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 là, il y en a devant aussi là. Remonte-moi. Ouh là 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 là. Je redescends. Ah putain. Putain, c'est devenu dur, on est pourri. Un peu des deux, je trouve. Un mélange un peu. Ah putain, il a pris la mot. Oh, oh, il veut pas mourir. Tiens, il y en a devant la porte. Bah là, avant. Ça c'était avant. Alors bah, ça va, là, franchement on la gère cette vague. Et regarde, il reste ça là. Boum. Hop, et eux je me les fais la sulfateuse. Allez, mangez vorace. Bon bah ça va, on s'en sort bien là. C'est clair. Bon voilà, on appuie sur table, on voit les scores. Vague 9. Putain, on met plus de temps à recharger nos armes que le temps qu'il nous a accordé avec les vagues, c'est chiant. Ouais, c'est un peu relou ça. Oh merde, saute. Les gros comme ça nous font perdre trop de temps. D'ailleurs, on va laisser les attendre un peu à cet endroit-là, sinon on va se faire niquer à... Oh non, oh non, oh non. Oh, je suis contaminé. Non. Voilà, donc on peut être contaminé. Quand on est contaminé, on les ralentit. Oh non, je suis contaminé, putain de merde. Et voilà, alors là je suis mort par un vieux zombie qui a bugué. T'es mort, putain merde. Là je vais pas gérer, mec. Ah ouais, là c'est hardcore. Putain non. Allez, saute. Applique la technique. Je suis ralenti. Voilà. Non, non. Voilà, nickel. Reload, reload, reload. Voilà. Celui là, et après descends et fais refaire pareil le tour. Tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Voilà, là, perds pas de temps, prépare-toi à sauter. Je
Vas-y, nickel. Normalement, franchement, y a moyen que tu réussisses. T'as fait le plus gros là. Ouais, y'a moyen là. Putain, ouais, attention derrière. Non, non, oh non, mauvais, t'as rompu la technique là. T'as rompu la chaîne, non mais t'inquiète. Ouais, là y'a moyen, franchement y'a moyen. Attention, saute. Alors, franchement, ce mode fait stresser. À mort. À mort, ouais. Regarde lui, putain. Allez, t'as trop de la moule. Il doit rester 3-4 zombies, si tu meurs, sérieux, je te crache dessus. 3-4 zombies, et t'as vu la horde qui est là-bas qui m'attend. Oui, mais 3-4 zombies chiant, je veux dire, des verts là. Garde tes balles pour eux, hein. On se t'en fout de tuer à la fin. Ils sont lents. Eux, c'est franchement, c'est pas les plus chiants, les gros comme ça. Non seulement ils sont lents, et en plus ils mettent 3 heures à te frapper. C'est clair, ils servent trop à rien. C'est clair. Tiens, voilà. Et hop, mangez vos races. Oh, c'est bon, là. C'est gagné. Là, normalement, ouais, c'est bon. C'est quand je dis ça en général que je me fais baiser. Là, c'est bon. Ça fait non. Ah non, laissez pas, tu vas pas essayer de les niquer au couteau. Non, c'est parce que j'avais plus de balles. Ça, c'est le genre de mec qui se prend pour Rambo à la fin. Ouais, comme moi hier. Il reste 3-4 zombies, je me mets sur au point et je me fais one shot. Ah bah, il m'emmerde. Ça va prendre la K47. Je vais commencer à reload moi pendant que. Apprendre à viser. Ah, respawn. Ah rien, mais t'as vu, les trollers, tu sais, ils font spawner le respawn au moment où je respawn d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vague 10, et on va avoir le crusher, non? C'est à cette vague? Ouais. Ah non, j'espère pas en fait. Bon, moi si on meurt là, et qu'on termine la vidéo, au moins, ils auront vu, je sens que c'est la 11, hein. Au moins ils l'auront vu. Il me semble, je suis pas sûr. Saute, je prends pas de risque. Voilà, là. Attention. Allez, saloperie. Putain, c'est pas possible, quoi. Ah, les trucs verts, là, j'aime pas ça. Ah, moi non plus, ça y est, je suis Keblo. Putain, on va devoir recéter direct. Oh, la bouche. Allez, on peut le faire. T'as vu, à mon avis, c'est la vague 11. Ouais, je pense que c'est la vague 11. Mais parce qu'il a mis une bande-annonce. Est-ce que vous allez pouvoir... Oh putain, hein? Alors là je suis tout seul, j'ai plus de vie. Franchement, ça risque. J'ai même pas vu comment le démarre. Non. Et lui il sort d'où? Est-ce que t'as vu ça? Le mec. Ils étaient deux. Ouais, bon, voilà. On est arrivé à la vague 10. Donc voilà, après cette petite ellipse, parce qu'il y a eu un petit bug du logiciel qui recorde. On va vous laisser, hein, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, même si on n'a pas vu le boss. Au pire, on vous refera une vidéo avec le boss et on vous présentera d'autres modes. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, de toute façon, on a le temps de s'entraîner sur le mode zombie, puis on va gérer, je pense. Ouais, on fera le mode zombie, on fera du battle group, on fera du CQC avec d'autres joueurs, des 1 contre 1. On vous montrera un petit peu les maps sur des. On va essayer de faire d'étaler cette série de Warrock sur 4-5 vidéos, je pense. Ouais, puis après, on enchaînera sur du Ava. Ouais, Alliance of Valiant Arms, donc il y a un autre FPS, un peu plus récent bien sûr. Et voilà, on va commencer cette série sur les FPS, parce que les jeux d'horreur ça va 5 minutes, mais bon, faut toucher un public un petit peu plus large. Et puis sachant qu'un jeu d'horreur, bon voilà, on peut pas le farmer, on peut pas être à fond dedans, quoi. Ça se fait une fois pour déconner, et puis après, voilà.
Il faut bien qu'on fasse quelque chose à côté, quoi. Voilà, ça ne peut pas faire que de la détente. Donc, on va faire de la détente, mais la détente du flingue. Oh. Voilà, super blague nulle. En plus, j'avais même pas répondu. Voilà, pour terminer cette vidéo, c'est magnifique. Ouais, le trou qui pue, quoi. Moi, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous aimons, nous vous chérissons. Ouais, on vous aime. On veut vous faire des bébés. Voilà. Si vous êtes intéressé par cette proposition, envoyez-moi un message. Bref, salut à tous. Salut. Bref. Et on fera un battle. Un battle group, ouais. Un battle group et puis aussi un... Enfin, une partie avec d'autres joueurs, pourquoi pas. Allô. Très bien, bon bah on n'entend plus Artfrag, donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Salut à vous. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé ce petit jeu là, dites-le nous. Comme ça, putain. Si vous avez aimé ce petit jeu là, dites-le nous. Comme ça. Putain, mais il me casse les couilles ce connard.